Et dans quelques instants, nous allons ensemble traverser la Garonne. Nous allons parler aussi de football féminin. Mais tout de suite, j'aimerais que nous fassions une haie d'honneur. Oui, allez, j'ose les mots. Une haie d'honneur, un groupe d'ésines qui s'appelle la compagnie Sa Unity. Alors, comment ça se fait? On parle de danse dans l'émission sport et n'importe quoi. Ok, ben non, pas du tout. Nous allons parler d'une compagnie Sa Unity qui fait du hip-hop chorégraphique et qui s'apprête à partir à Phoenix en 2019, s'il vous plaît, pour les championnats du monde. C'est leur rêve et c'est aussi leur chance parce que vous allez le voir avec les images dans un instant, ce qu'ils font est impressionnant. Pour commencer, nous avons avec nous Julie Bintéjac. Bonsoir. C'est ça, bonsoir. Vous êtes coach et danseuse. C'est à la Sa Unity, et avec vous Rémi Vinolo, vous êtes voilà. Vous aussi coach et danseur à la Sa Unity. Mais pour bien savoir ce dont nous parlons, je vous propose que nous passions, allez quoi, 30 secondes à regarder. Alors, parlez-nous des images qu'on va voir là. C'était le championnat de France, c'est ça? C'était le championnat de France de l'année dernière, c'est ouais. Ça, qui se déroulait à Orléans. Et on est parti avec toute l'équipe, en bus, on part à chaque fois un week-end entier et c'est sur 2 jours. Il y a les demi-finales le samedi, les finales le dimanche. Et du coup, on a eu la chance d'être champion de France l'année dernière. Voilà, donc voilà, c'est pour ça que je voulais que vous découvriez d'abord les images pour vous rendre compte effectivement de ce que fait Sa Unity et comment on devient champion de France de hip-hop chorégraphique. C'est assez impressionnant. Moi, sincèrement, je ne connaissais pas du tout la discipline. J'ai vu quelques images, j'étais absolument épaté et bluffé. Expliquez-nous combien vous êtes sur scène pour commencer. 40. 40 sur scène. 40 sur scène. D'accord, filles, garçons, tous âges, non? Filles, garçons mélangés, adultes, ados mélangés. D'accord. Ça va de 14 ouais, c'est jusqu'à ça, ouais. Dans les 25, 30, 35. On va continuer en même temps qu'on parle de voir des images, parce que tout le show fait 3 minutes. Hein. Presque 4 minutes. Ouais, presque 4 minutes. 45, ouais. Vous allez le voir sur les images, mais c'est au millimètre près. Enfin, je veux dire, là, c'est un travail d'orfèvre et de précision extraordinaire. Ouais, tout à fait. Ouais, ouais. On passe beaucoup de temps, du coup, à travailler la précision des mouvements. Effectivement, c'est un travail d'horloger. Hein. C'est le bras, ici, il faut qu'il soit en diagonale, il ne faut pas qu'il soit en bas. Tout est précis, millimétré. Le tempo, la musique, les placements, très important. Pour que le show puisse rendre un joli rendu, quoi, que ce soit homogène, ouais. Et qu'on ait cette impression de monstre, de masse identique. Alors, vous êtes coach ou chorégraphe, là, tous les deux? Les deux. Parce que c'est vous, à partir de quoi on fait ces mouvements? On réfléchit la nuit, on se dit, qu'est-ce qu'on pourrait leur faire faire aux 40 zigotos sur scène, là? Ouais, ça peut arriver. Où est-ce qu'il y a quand même des figures, on va dire, classiques dans ce type de... Non, il n'y a pas des figures imposées, des figures libres? Non, il n'y a pas de figures imposées, il n'y a pas de figures libres. Après, je pense que Rémi, qui s'occupe de tout ce qui est montage sombre, part un petit peu dans un univers qui nous correspond à tous. Il fait une belle bande-son qui nous inspire. Et c'est en l'écoutant, je pense, qu'on arrive à avoir ce genre d'idée qui arrive. Parce qu'on est bien d'accord, hein, quasiment à chaque tableau qui sont très courts, il y a un univers musical différent. Voilà, hein. C'est il y a un ça. Vrai travail ouais. Aussi de... Voilà, un travail de recherche sur la musique. Donc pour, par exemple, soit créer des effets visuels, comme vous avez vu avec le triangle qui se déplace, voilà, on n'utilise pas la même musique que, par exemple, l'introduction, on est plutôt vraiment sur de la danse hip-hop. Donc là, voilà, on a des styles de musique différentes. Sachant que dans la compétition de hip-hop chorégraphique, on est jugé en fait sur des styles de danse de la culture hip-hop. Alors voilà, voilà. Justement, comment on devient champion de France? Autrement dit, qu'est-ce que le jury regarde en premier, hein, comment? Parce que c'est comme au patinage artistique ou ça, à l'école même, des fans, non quand même. Il y a oui, une similitude. Il y a quand même en fait des critères à respecter. Cette année, on est 4 chorégraphes et une coach principale dans l'équipe. Et donc un de nos collègues est parti à Paris cette année faire la formation juge, en fait, c'est-à-dire qu'il nous explique comment on est noté, comment on pourrait avoir le plus de chances de gagner, d'aller le plus loin possible. Finalement, il se base sur ce qui est noté aux États-Unis, donc l'objectif un petit peu de tout le monde. Et donc Thomas, le troisième coach, est parti faire cette formation. Et donc on a eu encore un petit peu plus d'éléments. Ouais. Et avec Kélia, Rémi, Thomas et moi, du coup, quand on a fait la création, on essaye de reprendre ces critères. Donc il y a 4 techniques imposées où on est obligé de les mettre sur plus plusieurs styles. Alors, de hip-hop. Regarde le jury, il regarde quoi? La musique, ça fait partie du, oui. Du musicien musical. Il regarde les effets. En fait, ils sont 8. Ouais, 8. 4 juges techniques et 4 juges, on va dire, de performance. Quoi. Voilà, ils appellent performance. Ça performance. Okay.
Donc, il y en a quatre qui vont regarder nos pieds, nos mains, notre dos, notre visage, comment on se tient, les lignes, comme parlait Rémi tout à l'heure, les axes, les placements. Parce que là, encore une fois, on voit les images, mais j'insiste beaucoup là-dessus. Mais il y en a un qui se plante. Ah ben là, c'est foutu. Tout est foutu. Ben, c'est là qu'il y a un vrai, vrai beau travail d'équipe. Là. C'est extraordinaire. Oui. Ah, oui. C'est là qu'entre en compte la cinquième coach qui... travaille avec une main de fer incroyable, étant donné que nous quatre on danse dedans en plus on a besoin de ce coach extérieur qui est la directrice de l'école et il faudrait voir une répète, vous comprendriez. Non, sincèrement, vous en tant que petit Frenchie aux États-Unis, on risque de se marrer, non, un petit peu. Donc, qu'est-ce qui vient nous dire le hip-hop français, c'est quoi, non? Je me trompe ou... Nous, on a la chance d'y être allé trois fois. Ça va être la troisième année là, qu'on part jusqu'aux États-Unis. Et effectivement, plus ça va, plus on arrive à avancer là-bas. Donc, la France arrive à prendre une petite place, si on peut dire. Donc, Parce que les Américains font encore mieux que ça. L'année dernière, avec ce show, on a fini 19e mondiaux. Avec le show qu'on vient de voir, là, de championnat de France. C'est ça. Sachant que la finale, c'est les 8 meilleurs. Là, nous, c'est notre rêve. C'est le rêve, mais il y a un niveau, on va dire, c'est un petit peu surhumain, presque. C'est encore mieux que ce que... Après, il y a aussi la technique, comme je vous ai dit, dans la culture hip-hop, il y a plusieurs styles de danse. Ouais. Et en fait, ceux qui sont en finale, en fait, ils arrivent à avoir les techniques, donc encore plus que nous, hein, sur le popping et le visuel d'effet, c'est impressionnant, l'énergie. Parce que là, c'est vrai, ça fait, on nous voit, on est énergique. La patate, Mais le curseur, quand on voit, par exemple, les pays d'Asie, là, c'est le curseur, il est x10, quoi, l'énergie, c'est impressionnant. Mais on se bat chaque année, on évolue, ça fait six ans qu'on fait cette compétition en France. Les premières années, on n'est pas allé aux États-Unis. Là, maintenant, ça fait 3 ans qu'on arrive à y aller, donc c'est qu'il y a une évolution. Et plus ça va, plus on arrive à gratter un peu dans le placement, donc on espère... Bon, on est bien d'accord, c'est un sport, hein. On invite vraiment tous ceux qui pensent que ce n'est pas un sport à venir. C'est un sport artistique. C'est un sport artistique. Voilà, très bien, merci Julie. C'est un sport artistique. Parce qu'il faut quand même beaucoup de qualité physique pour arriver à... Oui, parce que là, j'imagine qu'au bout des 4 minutes, là, vu l'intensité, la précision, la concentration, vous devez sortir vanné. On a des grosses préparations de training, des préparations physiques l'été, avant de partir. Chacun a son programme personnalisé à faire à la maison. Chaque début de training, c'est un gros échauffement avec vraiment qui engendre tout le corps, quoi. Ouais. Ouais. Et donc là, concrètement, vous avez lancé une sorte de petite cagnotte, hein, pour vous aider à partir là-bas, parce que quand on joue, quand on est tout seul, on peut se débrouiller à prendre l'avion. À 40, c'est plus compliqué, donc ça coûte plus cher, forcément. Ça engrange un aspect financier important. Donc vous avez lancé une cagnotte Litchi, on appelle ça. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc il suffit d'aller sur Litchi, on tape quoi, S-A-Unity ou... Voilà. S-A-U-N-I. C'est S-A en majuscule et U-N-I-T-Y. D'accord. Donc voilà. Et après, si vous voulez, voulez faire que les petits jeunes désignes battent les Américains, c'est par là qu'il faut passer. En tout cas, sincèrement, c'est il faut c'est combien d'heures d'entraînement par semaine, ou enfin je sais pas. Il faut être super bien danseur à la base ou. Il y a une sélection chaque année, en fait. Hein. D'abord, c'est le Studio Attitude. C'est une école de danse loisir de base. Et au sein de cette école, on fait une audition. Donc là, on en a fait une il y a trois semaines à peu près. C'est ça, ouais. J'ai raté. Voilà. Mais on en fait une autre en septembre. Vous pouvez venir essayer. Vous n'êtes pas là. Et en fait, si vous voulez, donc on recrute les danseurs de l'école et de l'extérieur. C'est pas obligé de faire partie du studio déjà. Ouais, mais il faut quand même être branché breakdance ou hip-hop. Voilà, c'est ça. Il faut avoir un minimum de base. Après, nous, ce qu'on aime et ce qu'on recherche avant tout, si c'est une mentalité, c'est une envie d'être combattant. Parce que là, j'imagine que. Il va y avoir des moments un peu où vous mettez sur la figure, non? Non, quand même pas. Non, ça va. Non, mais figure, mais... Mais bon, il y a des tensions, voilà. Moi, j'étais bien, t'étais à côté. Voilà. C'est ça. Il t'est manqué 2 degrés ou 300 comme dans toute équipe, hein, de toute façon, ce serait mentir de dire non. Mais la 40, quand on voit la rigueur, encore une fois, du show, allez jeter un œil sur les réseaux sociaux, c'est facilement trouvable, ça Unity. Et vous allez voir, c'est assez impressionnant. J'aimerais que nous fassions une pause et que nous parlions de notre sport.
qui lui rassemble beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de monde. Hein, mais on ne sait jamais, ça va arriver pour vous on aussi. Espère, c'est le football féminin. Les filles de l'équipe de France se sont qualifiées. Ça a été difficile face au Brésil et vont rencontrer à la fin de cette semaine, d'ici quelques jours. Donc, la redoutable équipe des États-Unis. Encore eux. Hein, encore décidément, oui. C'est pas possible. Alors, justement, lorsqu'on parle football et filles, eh bien, ça donne l'occasion de savoir ce que font aussi les filles dans les clubs ici à côté de chez nous. Exemple à la Bastidienne. Regardez. C'est la fin de saison pour les filles des U17 du Sporting Club de la Bastidienne. Elles sont peu nombreuses ce mercredi soir. Gauche, droite, gauche, ouais, super. Oui, super. Pour ces jeunes filles de 9 à 17 ans, la pratique du ballon rond représente aujourd'hui une véritable passion. Moi, avant, quand j'étais petite, je regardais que des matchs de foot et tout. Et du coup, vu que ça m'intéressait, bah, j'ai décidé de faire du foot. Et ça fait maintenant un an que j'en fais et... C'est ma voie, je vais continuer ici. Au club historique de la Bastidienne, le foot féminin existe depuis 1970. Pour la présidente du club, il est essentiel de démocratiser cette part-là du foot dans les quartiers de la rive droite. Nous, étant dans un quartier défavorisé où c'est difficile d'amener des jeunes filles à venir jouer au football, parce que pour beaucoup, c'est beaucoup un sport garçon, quoi, c'est pas du tout un sport fille. Et là, on est en train de faire comprendre aux filles que, ben voilà, elles ont la possibilité de venir, elles peuvent jouer au foot. Féminiser le football, pour moi, c'est hyper important. Le club compte aujourd'hui 20 licenciées filles et souhaite profiter de l'engouement provoqué par la Coupe du Monde féminine pour doubler son effectif la saison prochaine. Le recrutement a déjà commencé. Il y avait les qualités qu'elle a déjà, je vais l'approfondir et elle aura un bon niveau après. C'est la première fois que vous la voyez ? Oui. Okay. Oui, je les vois très vite. Cette année, pour la saison 2019-2020, nous allons mettre en place un pôle féminin sur la rive droite. On est en entente avec le club de Florac qui a bien voulu participer pour qu'on puisse créer cette école de football féminin au niveau des jeunes. Ici, en tout cas, pas de Messi ou Ronaldo. Les filles du Sporting Club de la Bastidienne ont d'autres modèles. Je ne sais pas, Wendy Renard, parce qu'elle le persévère tout le temps. Par exemple, hier, elle a loupé son pénalty, ben elle l'a refait. Henri Amandine. Je joue à la même place qu'elle. Je suis le même numéro en plus. Et elle est forte. En attendant, les Bleuettes sont encore dans la course et devraient affronter les Brésiliennes dimanche soir en 8e de finale. Et les filles du club de la Bastidienne sont déjà prêtes. Allez, les Bleus, donc, retour également sur un autre événement sportif, festif et fluvial également. C'était ce dimanche, la traversée de la Garonne, que vous avez d'ailleurs pu suivre en partie sur l'antenne de TV7. En tout cas, comme vous pouvez le constater, nous avons suivi ensemble le départ de la première vague. Autrement dit, ceux qui étaient les moins à l'aise dans l'eau. Il y avait, vous avez pu le constater aussi, tout ce qu'il faut pour encadrer cette équipe de nageurs. Et de nageuses. Donc, au total, 400 personnes se sont jetées à l'eau. On fait la traversée de la Garonne, on voit l'arrivée donc, des premiers concurrents de cette traversée de la Garonne, qui est maintenant une tradition avec également ces petits ballons, puisque pour la première vague, très souvent, eh bien, les nageurs portent sur le ballon le nom d'un enfant hospitalisé. Alors, vous vous demandez peut-être... commencer de se retrouver ainsi pendant près d'une demi-heure dans l'eau de la Garonne. Ben regardez ce qu'ont dit les premiers nageurs. Ben c'était super, c'est très agréable, bonne ambiance et finalement c'est très agréable d'être au milieu de la Garonne avec Bordeaux tout autour. C'est génial. On nage et puis on regarde un peu et puis voilà, bonne expérience. C'est parfois un peu difficile, il y a pas mal de courant. Puis l'ambiance est super et l'organisation aussi. C'était la première fois que vous participez à ce genre de course ? Première fois, oui. Je suis venu de Paris ce matin exprès pour faire plaisir à un copain qui en fait l'a pas faite. Il m'avait pas dit qu'il était dans l'organisation. Du coup, il m'a regardé quand je suis parti, mais je le retiens, je vais le retrouver à l'arrivée. L'eau était bonne, on n'a pas l'impression qu'elle est vraiment à 19 degrés. Voilà, c'était pas trop compliqué, le courant ça allait aussi, donc très bien. C'est la première fois que vous participez à cette traversée ? Non, c'est la troisième. Donc vous connaissez le parcours, vous êtes rodé ? Oui, ça va. Super, c'était vraiment génial. Voilà, la vue est fabuleuse, il y avait des ballons violets partout. J'ai couru pour Alex, un petit garçon qui est malade. Et voilà, on a tous pris plaisir. Le temps est super, on a une vue sur les plus grands bateaux du monde. C'est magique. C'est des bonnes sensations, l'eau n'est pas froide, le public est là.
C'est une belle sensation de nage, ça glisse bien. Enfin voilà, il y a un peu de clapot, mais c'est pas très compliqué. C'était un grand bonheur, ouais, de bonnes sensations. Je pense que l'année prochaine, j'aimerais bien prendre un ballon et autant le faire pour une bonne action. Donc je pense que c'est la première fois que je le fais. Ouais, c'était vraiment une belle sensation que j'encourage tout le monde à le faire. Les gens ont peut-être des préjugés par rapport à la qualité de l'eau, mais vraiment elle sent pas. Enfin c'est voilà, effectivement, elle n'est pas claire, mais une fois qu'on est habitué, ça, tout va bien. Voilà donc pour la traversée de la Garonne. Nous aurons certainement l'occasion d'en reparler puisque c'est tous les ans. Hein, donc pourquoi pas vous aussi vous lancer à l'eau dès l'année prochaine. On va terminer cette émission en images encore et toujours avec le groupe SA Unity. Ils sont avec nous depuis le début de cette émission. Ils veulent participer au championnat du monde de hip-hop chorégraphique. C'est à Phoenix et pour leur donner un coup de main, il y a une cagnotte Litchi. Vous tapez Litchi et ensuite vous faites SA Unity, N-U-N-I-T-Y, pour leur donner un petit coup de main. Regardez ce qu'ils font, ils ont envie eux aussi de faire briller les qualités de la danse hip-hop française aux États-Unis, ce qui n'est pas une mince affaire. Et on l'a dit tout à l'heure, c'est un peu compliqué. Avec ce que vous voyez là, par exemple, sachez-le, l'an dernier, ils n'ont terminé que 19e. C'est dire un petit peu le niveau, mais il faut vous encourager. Sur 70. Sur 70. Ah oui, voilà. C'est pas mal. Oui, non, c'est ça. Parce que ce côté 19 sur 20. Mais ouais. sur 70, c'est pas ouais, mal. Ah, puis vous êtes champion de France un peu quand même. Et oui. L'année dernière. Ouais, cette année. Qu'est-ce qui se passe, les gars, non ? Cette année, vice. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez été battu par qui ? Ah. Orléans. Ah, eh oui. Orléans. La roue tourne, ils étaient bons, ils étaient meilleurs, ils ont pu se travailler. C'est comme ça, à juste titre. Ne me dites pas que vous faites comme les sportifs de haut niveau, vous prenez les compétitions les unes après les autres ? C'est ça. Ah non, on en fait plusieurs. Hein, on part à Majorque là dans 2 semaines. Après, c'est la loi du sport. Il y a des perdants, il y a des gagnants. Et puis, parfois, être second, c'est pas la meilleure des places. Hein. Sur le coup, on n'était pas contents. Ouais. Mais ça nous rebooste à essayer de faire mieux et puis de les battre l'année prochaine. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois, vous devez vous réinventer. Parce qu'on en a parlé tout à l'heure assez rapidement. Pour ces championnats du monde où vous avez participé l'an dernier, vous avez présenté une chorégraphie. Et là, bien évidemment, impossible de présenter la même. Sinon, le jury va vous dire, attendez, ils nous l'ont fait une fois celle-là, ils ne vont pas nous la faire deux, c'est ça ? C'est ça. Voilà, le jeu, c'est d'arriver à toujours pousser la créativité plus loin et rentrer dans un nouvel univers, et puis de création, d'entraînement. Et c'est combien d'entraînement par semaine, ça, là ? En fait, on fonctionne à l'année sur des gros volumes le week-end, le vendredi et le samedi, parce que du coup, c'est plus simple pour que tout le monde puisse venir, chacun des emplois du temps différents. Parce qu'il faut savoir qu'on est quand même 70 ans. Tout le monde ne fait pas les compétitions. Voilà, tout le monde ne fait pas les compétitions. Il y a des remplaçants, il y en a qui sont là qu'en formation. Donc, comme dit Rémi, il faut réussir à se rejoindre. Donc, le vendredi et le samedi, c'est quand même les options les plus simples pour nous. Donc, ça fait quoi ? Ça fait 4 heures le samedi, 4 heures le vendredi, 3 heures, c'est ça ? Voilà, en gros, ça fait ça. À peu près. À peu près. Quand on n'élargit pas le planning horaire. et puis après, souvent, 2 semaines avant, la compète aussi. Par mais contre, là, on essaye de... Comme en ce moment, là, de se voir, voilà, comme en ce moment, ça va démarrer tous les jours. Tous les jours, tambour battant. Bon, en tout cas, je vous dis... voilà. Évidemment, hein, pour ces championnats du monde. Ouais. Et puis, tenez-nous au courant lorsque vous rentrez. Hein, revenez avec nous plaisir. Voir. Okay. Ça marche. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.